Et l'autre sujet que je tiens à vous aborder, moi, mon arrive, trouve le un site de médias indiens, First Post de India, qui vient dire, pas moi qui dis ça, hein, vous pouvez citer ce qui First Post India vient dire, et c'est un média reconnu et qui est sérieux. Il vient dire que Navin Rangoulam est invité pour cérémonie intronisation de Sri Narendra Modi. Il est invité. Qu'est-ce qu'il dit? Mauritian government contacted Ministry of External Affairs and conveyed their prime minister's keenness to attend Modi's inauguration. Though Modi wanted to invite only SAARC leaders, he could not ignore the request of Mauritius. Pour une fois, on peut dire, pas moi qui peux dire ça. On trouve de ça à l'ennemi qui a serré, qui fait son enquête. On peut dire que le Premier ministre mauricien est allé invité et qui, évidemment, n'est pas capable de faire autrement. Avoir une invitation, mais je suis content qu'il peut-être, puis le Premier ministre, c'est quand même. Donne son commentaire, alors là. Mais moi, point qui moi, nous envie faire, moi, nous, MSM, ça c'est point qui nous envie faire. Premier ministre, il est là-bas. Qui est là qui a amené avec lui? Rama Sitanen. Pour discuter le Double Taxation Avoidance Treaty. Mais avant tout, nous tout rappelons qui sont là qui ont mishandle le dossier de Double Taxation Avoidance Treaty. Qui sont là quand tu es ministre des Finances, tu as l'en et tu as le métal. Pareil pour ce Premier ministre. Hein? Parce que nous sommes ministres au niveau du travail. Il y a un grand capot, ça. Qui sont là qui ont mettre au gouvernement indien là-bas. Et qui s'est mettre au ministre des Finances à l'époque, là-bas. Et là, nous tout connaissons qui arrivé. Une fois qui tient entre ministre des Finances de l'Inde et ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances ici, Maurice. Tu ne fais pas de commentaire déplacé. Tu ne refais la leçon au gouvernement indien. Et ça, c'est très, très mal vu par le gouvernement indien. Et comment on me dit après, Rama Sitanen, là, nous avons Navin Rangoulam, je rappelle, il y a Davos, là-bas, il comment tu d'Ambaram, lui-même, l'Indien, tu bump into him, dans le couloir, alors que Navin Rangoulam vient de un meeting. Enfin, nous tout connaissons qui différence entre having a meeting et comment tu dans Baram dire une tapé, une tapardie dans le couloir. Et là, le Premier ministre, bah, tu viens dire qu'il est une métalie. Une métalie, il dit son quatre vérités. Mais quand tu finis, il dit son quatre vérités, là que c'est arrivé. Un côté, tu dans Baram, tu viens une cause qui n'arrivait effectivement. Il est là. Joint Working Group qui est arrivé. Cancel. Cancel Joint Working Group qui est pas le zone. Bientôt. Mais, dans ce cinéma-là, quand Xavier Luc Duval, ministre des Finances, était là-dedans, les ministres des Finances, Double Taxation Avoidance Treaty, c'est sous responsabilité. Ils ne font pas partie de délégation avec le Premier ministre pour aller discuter de là. Prendre un Jimoun, comment me dire, qui fait des années antécédents, qui peut élogieux avec le gouvernement là, pour aller voir discuter de l'eau. Ça, c'est
d'arriver à Moulin.